copains, copines, elles font toujours tout pour être belles et élégantes. Mais une fois que tu les mets chez toi, après un enfant, elles commencent à se délaisser. Ou encore, elles sont toujours là à te faire des palabres lorsque tu reviens du travail, à peine tu rentres chez elles, que ce sont les histoires qui commencent. Alors, c'est son avis. Hein, oui, bien sûr, c'est ce que j'allais relever. Parlons des raisons de... Je ne suis pas en train de justifier l'infidélité chez les hommes, mais je pense que le monsieur, il n'a pas tort. À partir du moment où nous, les femmes, on sait comment on est quand on a envie de rentrer dans un foyer. On est les premières à aller... Parce que c'est vrai, nous, par exemple, les Africaines, on n'a pas cette culture-là. On n'est pas nos mamans... Avant de rentrer dans le foyer, ils ne vont pas nous expliquer comment tu dois faire pour maintenir ton mari à la maison, qu'est-ce que tu dois faire au lit, etc. etc. C'est nous-mêmes, on va chercher, par exemple, dans des revues ou sur Internet, comment faire et tout. Et on se donne les moyens qu'on n'est pas encore rentré dans le foyer. Une fois qu'on a la bague au doigt, on commence à être paresseuse. Des fois, on n'a plus envie de se... La plupart, souvent, tu rentres dans des foyers, la femme, elle attache un pagne, elle est là, aucun effort. Alors que l'homme a tout le temps besoin. Moi, je me dis, ce qu'il va chercher dehors, pourquoi on lui donne pas ça, on lui sait pas ça à la maison? Pourquoi une femme ne deviendrait pas, par exemple, la maîtresse de son mari? Elle est épouse et maîtresse. Maîtresse, confidente, tout. On sait tout ce qu'ils vont chercher. Mais on se cultive et on fait ça à la maison. Bon, maintenant, si après avoir fini de faire tout ça, l'homme part encore, là, c'est un autre cas de figure. Alors, une autre raison, non la moindre, je crois qu'Eva l'a dit, c'est la puissance financière. De l'histoire de l'humanité, même dans la Bible, on a vu Salomon qui était le plus riche, et Dieu d'ailleurs l'a déclaré comme étant l'homme qui va être éternellement riche, c'est-à-dire qu'il n'aura plus jamais... Quelqu'un qui va être plus riche que Salomon, il avait énormément de femmes. Parce que nos sociétés sont telles que l'argent, c'est le pouvoir, et c'est le pouvoir qui attire le plus facilement la femme. Donc, naturellement, quand les gens ont les moyens. D'ailleurs, on dit, il y a des chanteurs qui vous disent, quand il n'y a pas l'argent, il a la maison, il est fidèle, il est serviable, tout. Dès lors qu'il a le premier, les sous commencent, les projets de week-end et autres également commencent à suivre. Donc, la puissance financière est une cause. À ne pas négliger. On a Mme Guesson en ligne, elle nous appelle de La Riviera. Bonjour Mme Guesson. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a la pauvreté qui contribue beaucoup à l'infidélité. Je m'explique, vous vivez dans un foyer où le monsieur n'a pas assez de moyens, et puis la dame te dit, ben, je fais avec, je reste là, et puis bon, ben, je cherche mes bijoux ailleurs, je cherche mon pagne ailleurs. Donc, il y a ça aussi vraiment qui joue beaucoup. Très bien. Voilà, merci, Mme Guesson. C'est bien ce que le docteur disait. Donc, Oui, allez-y, Je voulais rebondir sur notre thème. Alors, messieurs, battez-vous. On en a parlé la semaine dernière. Quand un homme est dans un couple qui refuse de se battre pour mettre le minimum à la disposition, c'est pas pour justifier, mais elle vient de dire, c'est une femme qui a dit, c'est pas moi. Donc, quand un homme refuse de se battre pour avoir le minimum, il est évident qu'avec l'influence de la société et de notre environnement, la tendance est d'aller chercher dehors donc cause économique. On a une autre réaction qui dit que l'homme est infidèle par occasion, la femme par amour ou par intérêt. Et l'infidélité commence le jour où la femme ou l'homme aime un ou une autre. Et on n'en a pas parlé parmi les raisons. Il y a également l'amour. On peut tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais bon, dans ce cas, on s'en va. Moi, je ne comprends pas pourquoi on peut être... Bon, c'est vrai que vous me direz, ce n'est pas facile de divorcer et tout ça. L'infidélité de l'homme, c'est totalement différent de l'infidélité de la femme. Une femme, pour qu'elle puisse succomber, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu des sentiments. Voilà, il y a eu des sentiments des sentiments très forts, et surtout elle a dû subir des choses à la maison qui font qu'à un moment donné, elle se dit, bon, j'en ai marre, je vais aller peut-être voir ailleurs, ou bien le gars qui me drague depuis fort longtemps, je vais essayer de l'écouter. L'homme, il n'a pas besoin de ces éléments-là. Comme tu disais tout à l'heure, Eva, la femme a besoin de... D'une raison et l'homme... D'un endroit, voilà. Donc, c'est très différent. Oui, la femme est cérébrale. Elle est plus cérébrale. Donc, il lui faut vraiment... Des raisons. On a parlé donc soit d'intérêt. À ce moment-là, c'est juste pour l'argent ou de façon ponctuelle parce qu'elle peut se retrouver confrontée à une certaine situation. Exactement. Voilà. Mais sinon, une femme qui va voir ailleurs autre que pour une autre raison que celle-ci, c'est beaucoup plus profond que chez l'homme. Alors, je pense que finalement, il faut que très rapidement, la semaine à venir, on puisse traiter le thème de notre fameux thème de l'amour. C'est quoi finalement l'amour?
Parce que je me pose finalement la question de savoir quels ont été les critères de choix de l'homme au point où, 2 ou 3 ans après, l'amour se meurt pour qu'on aime quelqu'un d'autre pour partir. Point d'interrogation. Voilà, c'est qu'il y a on répondra. De... Mais ça veut dire que la notion, et c'est une des causes, on oublie souvent que la vie, je le dis toujours, elle est dynamique. Les choses changent. Malheureusement, nous, on ne veut pas accompagner le changement. On ne veut pas l'accompagner. On a parlé, par exemple, de qualité sexuelle. Et vous l'avez bien dit. On en dit. Donc, c'est une dame qui a appelé pour parler, dit ça. Il n'y a pas de, confidentialité dans ça. Il n'y a pas de complicité pour dire cette façon de faire, est-ce que ça va? Voici cette autre façon qui me va. Madame Cissé nous appelle de Dimbokro. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame Cissé. Oui. Oui, madame Cissé, on parle aujourd'hui d'infidélité. Je suis l'édition. Oui. Vous savez, quand on parle de l'infidélité, c'est les hommes qui. Leur femme, c'est ça. Madame Cissé, vous pouvez répéter, on vous entend difficilement. Je dis. Oui. Quand on dit qu'une femme commet l'infidélité. Oui. C'est les hommes qui poussent les femmes à faire ça. C'est les hommes qui poussent les femmes à être infidèles, d'accord? Oui, à être infidèles. Mm-hmm. Pourquoi? Pour la femme, vous êtes là, quand vous commencez, il n'y a pas de problème. Et ça concerne affaire de religion et autres. Mm-hmm. Et ils se mettent dans ça, soit disant que avec l'église, on leur dit qu'il y a une telle période, tu ne dois pas toucher la femme. Et vous pouvez faire 5 mois, 6 mois, il dit qu'il a prié. Hein? Et quand ta femme qui est là, vous êtes touché côte à côte. Mais quand même, tu es là, la femme elle a des envies. Oui. Mais maintenant, vous voulez qu'elle fasse comment? Elle aussi va te mettre là à prier? Comprenons pas. D'accord. Vraiment, femme journée. Merci beaucoup, Madame Cissé. Je pense que ça, c'est un cas particulier. Hein. On parle d'église, etc., qui impose certaines choses. Bon. Donc, je pense que ce sont des cas bien particuliers. Bon, alors, docteur, vous parliez juste avant. Alors, on va lire cette réaction de Yohou Armel qui dit qu'il y a souvent les amis qui poussent à l'infidélité. Alors, entre garçons, vous pouvez être entre garçons et vous voyez ensemble une ravissante femme. Et votre ami vous encourage en disant, voilà, une belle femme va l'interpeller. Quand tu refuses, il te dit souvent, tu vas faire quoi avec la vilaine femme que tu as pour épouse là? Bon, je pense que... Bon, si c'est un gars bon sens l'a dit, bah, il dit, on autorise qu'on cite le nom des chanteurs, il n'y a pas de publicité. C'est ça, il dit, il y a plusieurs types d'amis, je te l'ai dit ça une fois. Il y a des amis pour chercher femme, donc il est évident, quand vous retrouvez ce genre d'amis, ils vont créer toutes les conditions. Je me souviens même quand j'étais élève, je me souviens, quelquefois, les gens font des arrangements dans votre dos, et puis au moment où ça vous tombe dessus. Donc, évidemment, il y a des groupes d'amis où, quand les gens se retrouvent ensemble, ils ne parlent que de ça. Mm-hmm. Et puis, nous tous, on est influençables. Et à un moment donné, si on n'a pas de soutien réel, si on n'a pas une force spirituelle ou une force d'éducation réelle, il est évident qu'on peut succomber. Mais il y a une raison que je voudrais ne pas oublier, invoquer, que la société nous impose aujourd'hui, c'est le travail. Mm-hmm. De plus en plus de nos couples se retrouvent dans des situations difficiles. Ceux qui ont la chance, qui ont leur femme qui se trouve sur le même sol, le même pays, c'est déjà pas facile. Parce que si vous êtes ici, votre femme est à Yamoussoukro, Korogo, on peut faire l'effort, un week-end, deux week-ends partis, ça tient le coup. Mais quand pour des raisons professionnelles, vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire, que votre mari se retrouve, je ne sais pas, au Canada, aux Haïti, partout vous pouvez imaginer, où on ne marche pas, on vient pas à pied, on ne vient même pas en voiture, c'est par avion que ça coûte cher. L'éloignement est une des raisons qui favorise cela. Les gens vont se rendre compte que ce monsieur-là, il est seul dans ce pays, qu'il ait porté une alliance. De toute façon, les alliances, les gens, ils regardent, ce n'est pas tellement jaune. Mais qu'il ne peut plus rien ça. Apparemment, ça attire. Donc, les gens vont remarquer, et puis autour de vous, vous allez voir que voilà une panoplie de personnes qui viennent. Donc, la société de travail aujourd'hui pose problème. Au point où ceux qui ont les moyens, qui ont la possibilité, disent « Je préfère que ma femme ne travaille pas, il faut venir rester avec moi. » Mais là encore, c'est une autre palame. Parce que quand tu n'es pas travaillé, tu vas te demander son salaire par mois et que les difficultés commencent. Mais sinon, les conditions de travail aujourd'hui sont un élément fondamental d'infidélité. Parfois même de création de couple.
Quelquefois, le gars, il travaille très loin de sa femme. Vous apprenez à l'insu de cette femme-là, il a une deuxième femme. Il a même déjà fait des enfants, sans que la femme officielle le sache, jusqu'à ce que ça éclate un jour. Donc l'éloignement, malheureusement, parce que la construction de l'amour, c'est aussi le contact, c'est aussi le quotidien. Le fait de se voir régulièrement, même si de temps en temps, on dit on peut s'éloigner un peu pour respirer un peu, mais c'est le quotidien, etc., etc. Quelquefois même, l'éloignement fait qu'à un moment donné, les appels ne suivent plus. J'ai des témoignages de femmes venues pleurer pour me dire, quand elle est partie au début, il m'appelait. Il envoyait l'argent. Après, l'argent a cessé, et puis il appelait. Après, l'appel est parti. On n'en parle pas à Internet, surtout que tout le monde ne va pas à l'Internet. Donc, l'éloignement, dû au problème de boulot, est devenu aujourd'hui un facteur, malheureusement, qui expose à l'infidélité. On a Laurette Zain qui dit « Salut, à mon avis, tout part souvent de la routine qui s'installe dans le couple et de l'incapacité de l'un ou de l'autre à faire des efforts dans le but de renouveler un tant soit peu. Ça, c'est pour le cas des couples qui se sont mariés par amour, parce que quand ce n'est pas le cas pour un oui ou pour un non, une infidélité est vite arrivée. Les hommes ont en général une facilité à tromper parce qu'ils n'ont pas souvent besoin d'aimer, mais simplement d'être attirés, contrairement aux femmes qui, elles, sont d'abord séduites à cause du fait que certaines attentions ne rentrent plus dans le quotidien de leur mari. » Donc, la seconde partie, on en a un peu parlé ici, mais elle a ajouté une autre raison, la routine qui s'installe. Mais c'est ce que j'ai dit, la vie est dynamique. Je l'ai répété. Il faut bien insister là-dessus parce que oui. On n'en parle pas souvent. On va en reparler juste après cet appel de M. Touré. Allô? Bonjour, madame. Madame Touré, pardon, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, je voulais participer, donner mon avis. Oui, madame Touré. L'infidélité. Oui, madame Touré, on vous écoute. Pour moi, l'infidélité vient de tous les deux côtés. Parce que l'homme qui est garçon, s'il aime sa femme vraiment et que sa femme l'aime vraiment, sincèrement, je crois qu'il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs. Mais s'il s'avère que celle ou celui qui va voir ailleurs, malgré qu'il est marié ou bien elle est mariée à son homme, je crois que déjà c'est l'infidélité totale et ça fait pitié. Pour moi, ça fait pitié. Parce que moi, déjà, ma religion musulmane, je suis une musulmane. Ma religion ne me permet pas d'être infidèle à mon mari. Mmh. Et je condamne vraiment l'infidélité. Merci beaucoup, madame Touré. Oui. Merci, très bonne journée à vous. Alors, on revient encore sur la routine qui fait tant de mal dans les couples après un certain temps de vie commune, voire même pas très longtemps, après 2 ans, 3 ans de vie commune, il y a la routine qui s'installe. On ne renouvelle plus les attentions. Ce qu'on faisait au début pour faire plaisir à l'autre a tendance à disparaître. Et puis forcément, pas forcément, inévitablement, et malheureusement, on se tourne vers d'autres personnes. C'est ce que j'ai souvent dit. C'est-à-dire, les gens pensent que j'ai eu une femme ou un homme, c'est fini. Il n'y a plus d'efforts à faire. Elle a dit. Mais j'ai souvent dit, et j'insiste parce que c'est un élément fondamental. La routine tue les relations. Il faut avoir l'esprit de créativité. C'est pour ça que quand vous avez la chance ou la grâce, selon le milieu où on se trouve, d'avoir des couples amis avec lesquels vous partagez, c'est important. En même temps, je profite pour dire que le fait de vivre de façon isolée, renfermé ce soir dans un couple, vous envoie, si vous ne faites pas attention à ça. Mais le fait de rencontrer d'autres couples dans des sorties, d'échanger, comment on fait sur telle chose, ça renouvelle. Parfois, il y en a qui le font une fois dans l'année. Il y en a qui ont les moyens et disent, bon, écoute, cette année, on va prendre l'avion pour aller ici. C'est très important. Parce que même une maison où vous habitez, à un moment donné, vous avez l'impression d'étouffer. Et si vous avez ceux qui ont les moyens, là, souvent, ils changent de maison. Ou alors, même s'ils ne changent pas, ils réaménagent. Souvent, on est choqué de dire, mais lui, là, il a l'argent. Oh, sa maison qui est jolie comme ça, là, il a refait la peinture, il a changé les fauteuils, il a changé la position. Mais tout ça, ça donne la vie. Mais dans le couple aussi, c'est pareil. Il faut rénover. Il faut se dire que l'amour que j'ai eu aujourd'hui a besoin de croître. C'est comme si vous mettez une graine dans la terre.
Si vous, vous ne l'arrosez pas, quelle que soit la fermeté de la graine, quelle que soit la qualité de la graine, elle va pourrir. Ou alors elle pousse et la fleur est belle. Et puis vous dites, bon, comme c'est beau, je laisse. Si vous n'arrosez pas pour toujours coiffer et autres, vous allez vous rendre compte que votre jardin serait un mauvais jardin. Très bien. Troisième partie, il est 14h, on va passer à la troisième partie donc, de ce thème, les signes. Madame Naounou, pardon. Alors, Madame Naounou, pour vous, est-ce qu'il y a des signes, quand on connaît son partenaire, est-ce qu'il y a des signes déjà qui peuvent nous faire comprendre qu'il est, même s'il n'a pas encore franchi le pas, est-ce qu'on peut savoir qu'il est troublé ailleurs? Non, mais ça dépend du partenaire qu'on a, parce qu'il y a des hommes qui trompent. Pas parce qu'il n'aime pas, il n'aime plus, mais qu'il trompe par exemple parce que depuis un moment on lui a pas donné ce qu'il cherche, enfin ce qu'il veut à la maison. Donc c'est pas qu'il, parce que pour sentir les signes, c'est lorsque le monsieur change de comportement. Mais quand on a un partenaire qui n'a pas du tout changé de comportement, on qui sait. S'améliore même pas. Voilà, qui s'améliore par culpabilité. Non, même pas par culpabilité, mais parce qu'il est, quand il est allé, ce qu'il cherchait, il a eu. Donc il est détendu, il rentre à la maison. Tu comprends pas, il est tout content, il est joyeux. C'est peut-être parce que tu connais réellement ton homme, que tu sais qu'il y a des petits signes qui font que tu sais que peut-être qu'il est allé voir ailleurs et tout. Dans ce cas, on ne verra pas de... Je sais pas si je... Oui, alors, verra... docteur, on va prendre votre réaction là-dessus. Oui, il y a, c'est vraiment au cas par cas. Il y a, il peut arriver que il y a des hommes qui sont tellement forts, comme on le dit, que le moindre signe risque de même pas transparaître. Autre chose, c'est que les signes aussi, il faut faire attention. Parce qu'on peut soupçonner, mais ça peut ne pas être vrai. Il faut chercher à vérifier. Et puis éventuellement, ce qui est plus flagrant, les gens changent de comportement. On commence à se plaindre de la nourriture de la maison. Ça commence, hein. Ce qu'ils mangeaient habituellement, son quoi, il va dire maintenant non, c'est pas comme ça. Il n'est pas capable de dire non, il y a trop de sel, pourquoi on change? Il va se plaindre tout le temps. Il va vous dire que maintenant... en tout cas, raconter plein d'histoires, c'est pour ça que je rentre tard, etc., etc. Ça commence déjà à ne pas y aller. Madame Naounou. Oui, c'est ça, en fait. Mais je veux dire, l'homme qui change ou la femme qui change, comme tout à l'heure, on était en train de dire, la femme, quand elle trompe son mari, c'est qu'elle a des sentiments, elle commence à être triste, il y a quelques comportements qui changent. Là, tu peux te rendre compte qu'il y a un problème. Mais chez l'homme, franchement, la plupart du temps... À moins qu'il ait vraiment envie de partir souvent vous revoir la même personne. Parce qu'il y a des infidélités ponctuelles. Ponctuelles. C'est et puis, une relation d'un soir. D'un soir ou une... Des relations qui s'installent. Qui s'installent, voilà. On sait que monsieur a une petite dehors. Donc, quand il commence à faire palabre, c'est qu'il a envie de partir, par exemple. Non, rigolez pas. Vous savez très bien que c'est la vérité. Je n'en sais rien. Je suis assuré. D'accord. On est toujours donc au signe. Ça, on a parlé des signes chez l'homme. Alors, chez la femme, il y a des signes également qui peuvent faire que le partenaire soupçonnera quelque chose. Si, vous savez, les signes, parfois, c'est compliqué. J'ai connu des cas où... Là, okay. D'accord. Monsieur Tanou a sa contribution à apporter. Alors, Monsieur Tanou, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là, Monsieur Tanou. On vous écoute. Au fait, moi, je voulais dire, parlons d'abord des signes. Il est très facile. Surtout très facile de savoir quand madame vous trompe ou pas. D'accord, on vous écoute. Voilà. Par exemple, on connaît déjà les habitudes de madame. Donc, il est très facile de pouvoir le savoir. Il y a des femmes, par exemple, qui, lorsqu'elles commencent à tromper leurs hommes, n'aiment plus qu'ils les touchent. D'accord. Par exemple. Voilà. Le simple fait de savoir que monsieur a rempli n'importe quelle petite chose, l'attention peut-être que lui. Faire par le passé et tout ça commence déjà à l'énerver. Voilà. Donc elle est irritable. Voilà. Par contre, il y en a qui, c'est déjà même pour eux l'occasion de pouvoir, je ne sais pas comment dire, se surpasser. Donc pour pas que monsieur sache, elles vont user de toutes sortes de stratagèmes, elles seront très attentionnées, dévouées à la maison et tout ça. Alors que quand le gars il n'est pas là, elle passe à vous. Merci beaucoup, Monsieur Tanou, pour votre contribution. Docteur. Oui, je crois que Monsieur Tanou a dit beaucoup. Mais le fait qu'une femme refuse parfois de se donner à son mari n'est pas forcément signe d'infidélité. Tout à fait. Parfois, cela révèle un conflit. Elle peut être malade. Et puis, il y a des femmes, de par leur personnalité, qu'on appelle les hystériques, ont peur de la sexualité. Ce n'est pas qu'elles sont infidèles. C'est leur constitution. Parler de sexualité, c'est difficile. Elles peuvent aimer quelqu'un fortement, mais quand il s'agit d'arriver là, elles n'en peuvent plus. C'est leur fonctionnement.
C'est des gens qu'on appelle des personnalités hystériques. Elles en souffrent. Et éventuellement, si elles rentrent dans un foyer, le monsieur peut avoir l'impression qu'elle est infidèle, mais ce n'est pas forcément le cas. Il y en a qui sont aussi souvent malades. Mais il est évident que quand au début, les relations se passaient bien et qu'apparemment, il n'y a pas de raison visible et que pour un ou un rien, comme Tano l'a dit, et qu'elle commence à faire des difficultés sans justifier, le premier soupçon, c'est un signe d'infidélité qui s'installe. En tout état de cause, les gens, ils ont leurs ruses, mais c'est surtout quand on connaît son homme, quand on connaît sa femme. Oui. Il y a des petites failles. On parlait des signes. Oui, c'est de ça que je parle. Il y a aussi le téléphone. Je crois qu'on a fait une émission là-dessus. On voilà. Là-dessus. Le téléphone, monsieur rentre à un moment donné, tous les soirs, il est sur son téléphone. C'est, ou bien quand le téléphone sonne, on trouve le moyen. Il se déplace pour répondre. Comme la femme aussi peut en le faire. Non, c'est... Alors, Mihin Koumon Ouattara qui dit « Il faut que les femmes qui travaillent essaient de se revoir. Car une femme qui se dit fatiguée après le boulot tous les soirs, trois points de suspension. » Ça peut peut-être pousser, je sais pas, la suite, c'était... je vais compléter sa phrase pour des témoignages que j'ai. Je connais des gens qui viennent et disent « Tous les jours que la femme vient de travailler, elle est fatiguée. Tu veux la toucher, tu sais, ma journée a été difficile. Tu veux faire ici, non ?» Aujourd'hui, mon patron m'a trop fatigué, j'étais assis tout le temps, pardon. Bon, ça peut passer une fois, deux fois. Mais si ça devient chronique, il est évident que, bon, malheureusement, les soupçons sont réels. On n'est pas des machines aussi, on peut être fatigué réellement. Oui, mais je veux dire, quand c'est assidu, quand ça se fric, souvent, ça peut arriver. Répète. Quelquefois, les hommes comprennent. Mais il arrive également que l'homme soit fatigué, aussi, il ne soit pas en mesure. Des fois aussi, vous devez pouvoir lire entre les lignes. Souvent, je suis fatigué. Chacun doit savoir lire entre les lignes, pas vous. Je peux vouloir dire, il faut me manager, demande-moi pardon, essaie de mettre la manière. Souvent, on vous parle aussi, vous ne savez pas voir entre les lignes. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Bon, demain, vous allez... Surtout qu'on est marié à des baoulés bruts de coffrage. Pourquoi des baoulés? Attention, elle me met les baoulés également. Elle me met les baoulés. Je la comprends. Non, parce que souvent, on est marié à des maris villageois qui ne comprennent pas comme... Il y a des villageois qui sont plus... Voilà. Moi, une fois, je regardais mon mari, il m'a demandé... Moi, j'étais en train de le séduire, il m'a dit, tu as mal aux yeux. Bon, il a fait exprès. Mais, attention, ici, le suivant. Du coup, ça m'a cassé. Il a rigolé après, mais... Après, mais ça y est, je le regardais, j'essayais de le séduire. Voilà, par exemple. Langoureux, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a de leur problème? Pourquoi tu ne mets pas tes lunettes? Tu as mal aux yeux. Ça m'a cassé. Mais vous voyez, souvent, on tombe. Bon, c'est normal, c'est embêté, je comprends. Mais bon, après... Bref, on va pas épiloguer sur les... Voilà. C'est juste pour se chahuter, vous le savez très bien. Hein, c'est ce qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire. Alors, on n'a plus que 3 minutes encore à passer ensemble. Alors, il y a un téléspectateur qui posait une question précisément au docteur qui dit, est-ce que l'infidélité est physique ou elle peut être morale? Pupu, c'est signé Pupu. Bon, je pense qu'on a répondu au début d'émission. Ça se passe dans la tête, ça se passe physiquement. Ça part toujours de morale et puis après, ça va à l'accomplissement physique. Donc, les deux sont possibles. Tant que ça est dans la tête que la nuit vous faites toutes sortes de gestes, il est évident quelque chose. Mais dans ça aussi, il faut voir aussi des gens qui sont malades. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités, j'ai oublié un peu le nom, je vais chercher puis communiquer, qui ne voient pas de femmes passer. Mmh. C'est une maladie qui se sont attirées par toutes sortes de femmes. Chez les femmes, c'est les nymphomanes, je ne sais pas si voilà. Chez les hommes, j'ai même eu pareil. Un témoignage d'appel. Il y a longtemps, je n'ai pas pu rencontrer la personne qui me dit « J'ai 22 ans, je ne peux pas refuser même un seul homme. » Ça, c'est une maladie. Quand j'ai rencontré aujourd'hui, mais c'est quoi? Ça, elle est possédée, elle est ceci, c'est possible. Mais je sais qu'en psychiatrie, c'est des gens qui sont malades. Sinon, 22 ans, c'est faut accepter tout le monde. 40 ans. Alors, je ne sais pas qui sera le père. Je vous rappelle, très chers téléspectateurs, que ce thème, on continuera à en parler demain avec d'autres questions. Par exemple, est-ce qu'il faut avouer l'infidélité quand on a été infidèle? Est-ce qu'il faut l'avouer? Et puis, est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce qu'il faut. C'est fort, c'est évident qu'on ne peut pas oublier. Mais comment faire face à l'infidélité? Et puis, comment s'en remettre? Et puis, aller de l'avant dans le couple? Alors, vos conclusions, on va les prendre, Madame Naounou. Je pense que demain encore, Les sous-thèmes qu'on a déjà abordés, donc pour les raisons et les signes, qu'est-ce que vous retenez? Bon, les raisons, parlons des raisons, je veux dire, c'est, comme on a dit tout à l'heure, là, c'est par rapport à l'incompréhension dans le couple et tout. Voilà, c'est surtout la communication, voilà. Surtout la communication. Bon, c'est un sujet intéressant, important, et les causes
je pense qu'on ne va pas finir parce qu'en général, nous les humains, on dit rarement en réalité ce qui est la cause des problèmes. Et c'est ça qui est le problème, donc la communication qui n'est pas toujours vraie. Très bien. Merci encore, Madame Naounou. Merci, Docteur Brou. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Vous avez été nombreux à réagir sur Facebook. Merci encore. Et puis au téléphone, pardon pour tous les appels qu'on n'a pas pu recevoir aujourd'hui. Je rappelle que demain, dès 13h15, on sera en compagnie de nos invités et on en reparlera. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. Et n'oubliez pas, juste après, vous aurez la rediffusion de votre émission Entre les lignes. Merci. Très bonne journée sur RTI 2. Restez connectés. Nos programmes continuent.